plus grandes fiertés musicales de notre continent Mama Africa. Oti Kenja Fakoli, c'est un grand moment de Côte d'Ivoire que nous passons, un grand moment de Mali également. Et nous allons poursuivre tout doucement, tranquillement, avec celui qui vient maintenant, il s'appelle Yaro. Aujourd'hui c'est Bamako. Aujourd'hui c'est Mali et Abidjan. On est tous des mêmes choses. On a de Dakarin fait, on a de Dakarin fait. Ni mon mère a créé fait, on a son créé car ni mon compte de Dakarin fait. Aba tiki mne jagwa, ame de Dakarin fait. Bon, les bêtes sont là. Hein? Il n'y a pas bêté ici. Il n'y a pas les gens de Laurent Gbagbo ici. Eh non, applaudissez pour vous les bêtés. Quand la CPI a dit, quand la CPI a annoncé qu'ils vont libérer Gbagbo, les bêtés sont rentrés au studio. Allons, Toi, tu es là, chanter là-bas, allons, alors que Gbagbo il est dans un problème actuellement. À cause de ça, quand le président de CPI a attendu ça, il dit, Gbagbo, reste ici. Tu es dans CPI là, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas l'électricité. Même si tu veux t'amuser là, il faut aller t'amuser. Mais Blé Goudé, quand ils ont libéré Gbagbo, ils voulaient rentrer dans la voiture pour partir. En partant, Blé Goudé a dit, Koudou, j'ai oublié mon chapeau. Gbagbo dit, il y a tes giflets, il n'y a pas chapeau à Abidjan. Il n'y a pas chapeau à Djamé là-bas. J'ai un ami, il ne filme pas d'habitude. Avant-hier, je l'ai vu filmer. J'ai dit, petit, tu filmes? Il dit, non, je rends hommage à mon père. Il dit, comment? Il dit, parce que c'est cigarette qui a tué mon père. Donc, si cigarette qui a tué ton père, toi, tu filmes pour les rendre hommage. Il dit, moi, Yaro, par exemple, si mon père meurt dans un accident, je dois faire quoi? Hein? Donc, je dois faire accident chaque jour pour le rendre hommage. Papa, si tu me regardes en direct, là, faut mourir à la maison, hein? Faut mourir à la maison. Là, au moins, pour te rendre hommage, je vais dormir pour te rendre hommage. Si tu as accident, là, tu ne vas pas gagner hommage, hein? Eh non! Mais, moi, je suis très fier d'être Maraca. Ouais, je suis très fier d'être Maraca. Ok. Nous, les Maracas, on est partout. Tu t'es en Chine, Maraca. Angleterre, Maraca. États-Unis, Maraca. En France, on n'en parle plus. Tchétché, Maraca. 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 On est partout dans ce monde. Il y a un vieux Maraca. Il travaille dans un zoo. Il a fait des années là-bas. Il fait élevage des lions, des panthères. Son patron veut fermer le zoo. Il a demandé à son patron de l'aider à faire venir les animaux au Mali. Lui, il va faire le zoo dans son village natal. Comme nous, les Maracas, on aime l'argent. On aime gagner l'argent dans tout. Toi, tu vas venir faire zoo dans ton village. On l'a aidé à faire venir tous les animaux maintenant. Il a fini d'aménager le zoo. Il a pris un mégaphone. Il va annoncer l'inauguration de son zoo. Il faut quitter son décalage, ça va tuer. Il parle en un ancien combattant. Il dit, le village, oh mon village, j'ai fini d'aménager le zoo. Demain, c'est l'inauguration de mon zoo. Entrée est 500 francs. Il a fait entrée à 500 francs. De 7h jusqu'à 18h, il n'y a personne qui est venu. Il est rentré dans la ville encore. Il dit, le village, oh mon village, hier, j'ai fait entrée à 500 francs.
Comme moi, je connais la situation de mon village, je vais réduire. Maintenant, entre les 250 francs, venez regarder les animaux. Il a fait à 250 francs. De 7 à 18, il n'y a personne qui est venu. Il est rentré dans le village encore. Il dit, le village est mon village. De 500 francs jusqu'à 250 francs, il n'y a personne qui est venu. Mais moi, vieux celui que je reste calme. Mais comment je connais la situation de mon village? Venez regarder les animaux, 100 francs, entrez maintenant et 100 francs pour pouvoir payer mes gardiens et la nourriture des animaux. Il avait à 100 francs. De 7 à 18, il n'y a personne qui est venu. Il est rentré dans la ville encore, il est fâché. Il dit, le village est mon village. De 500 francs jusqu'à 100 francs pour pouvoir payer mes gardiens, il n'y a personne qui est venu, mais je reste calme. Mais comment je connais... Comment je connais la situation de mes animaux? Venez regarder les animaux gratuits. Quand il a dit gratuit, tellement Africain l'aime gratuit. Africain l'aime gratuit. De 7 à 8 heures, les eaux étaient déjà remplis. Il a fait guichet fermé en gratuit. Mais comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ils sont là visiter les animaux, non? Le vieux Maraca, il est fatigué, ferme tous les portails du zoo. Il a pris la clé pour partir s'asseoir à la porte de sortie maintenant. Il faut quitter. Il a pris le même mégaphone. Il est fâché. Il est fâché. Il dit, le village est mon village. De 500 francs, 100 francs, il n'y a personne qui est venu, mais je reste calme. Là où je vous parle, j'ai fermé tous les portails du zoo. Vous êtes dedans, moi je suis dehors, mais je vous regarde. Mais là où je vous parle, ça va une semaine, mes animaux, ils n'ont pas encore mangé. Tu vois le lion qui est là, la crocodile qui est là, il n'a pas mangé. J'ai fait entrée gratuite, sortie maintenant et payant. Sinon, comme moi je connais la situation de mes animaux, ils vont me... Au pire, le gars, il a fait une recette de 15 millions de francs CFA. Voilà, applaudissez pour les maracas. Moi, je suis fier d'être maracas.